La Troïka. Eh oh, coucou, Popo, Mita, vous êtes où? Coucou. Coucou les copains, on se prépare pour partir en vacances à la montagne. Et vous, ça va? Oui, nous ça va. Et ici aussi, on a besoin de vêtements chauds. Oh, alors ça y est, vous êtes en Russie. Est-ce que vous avez vu le super spectacle de cirque que vous rêviez de voir? Non, on l'a raté. Oh, vous devez être très déçus alors. Eh ben non, même pas. On a fait mieux. Et on vous raconte si vous avez encore quelques minutes avant votre départ. D'accord. On s'occupera des valises après. Oh oui, je veux savoir ce que vous avez fait de mieux que le cirque. J'avais lu dans un guide que le cirque de Moscou donnait une représentation dans la petite ville où nous étions. Je pensais avoir les bonnes dates et les bons horaires. Et pourtant... C'est impossible de rouler sous cette neige. Faudrait des skis, et puis j'y vois rien en plus. Et toi, comment tu fais? Je cligne des yeux et je baisse la tête. Allez, courage, on y est presque. Oh... On voit rien que du blanc ici. Et toujours pas de chapiteau. Et en plus, j'ai super froid et super faim. Oh, clignez des yeux. J'y vois rien, oui. Ah. Oups, pardon. Mais pourquoi aussi tu t'arrêtes d'un coup comme ça? Parce qu'on est arrivé. Enfin, on devrait être arrivé. Oh. C'est bizarre. Oh non. La dernière représentation, c'était hier. En tout cas, il n'y a plus de chapiteaux, c'est sûr. Oh, c'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu voir cet acrobate à vélo. Bon, on va manger quelque chose? Un truc chaud. Hé, hey, t'as pris mon vélo? Attends. Oh, regarde! Du jonglage! Waouh, super! Il y a combien de balles à ton avis? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6! Oh non, pas 6! J'arriverai jamais à dépasser les 5 balles. Allez, viens, Chavapa, on va lui rendre! Bonjour! Bonjour! On a trouvé ça! C'est gentil. Je m'appelle Tatiana et voici mon cousin Boris. Salut! Moi, c'est Mouk. Et moi, c'est Chavapa. On fait le tour du monde à vélo. Génial! Waouh! Vous êtes acrobate au cirque de Moscou? Non, pas tout à fait. On est encore à l'école. Notre rêve, c'est de faire un jour partie du grand, du très grand... Cirque de Moscou. On était justement venu ici exprès pour le voir. On l'a raté de peu. Merci. Du coup, Mouk est très déçu. Vous savez s'il y a un autre spectacle de cirque dans le coin? Oui, parce que j'aimerais bien voir des acrobates qui savent se mettre debout sur un vélo. Tatiana, tu penses qu'il y a encore des places pour le spectacle de ce soir? Quoi? Ce soir? Mais il est où ce spectacle? Chez nous, à la campagne. Vous voulez venir? Chez vous? Il y a un cirque qui vient chez vous? Mais non, c'est nous le cirque. Nous rentrons dans notre village pour les vacances et nous avons préparé un petit spectacle pour montrer nos progrès. Alors, vous venez? Oh, oui, bien sûr qu'on vient. On va chercher les vélos. Attendez, notre village n'est pas très loin, mais on ne peut pas y aller en vélo. Ça glisse beaucoup trop. Oui, mais Kazatchok, Kalinka et Gopak vont nous y emmener en Troïka. Waouh, super! Alors, c'est parti! Qu'est-ce que vous préférez dans les spectacles de cirque? Moi, j'aime tout dans le cirque, mais surtout le jonglage. Moi, c'est l'acrobatie à vélo. Avec Mouk, on fait beaucoup de vélo, mais on sait pas faire ça. Oui, c'est assez difficile. Il faut des heures d'entraînement pour y arriver, comme le jonglage d'ailleurs. Regardez, qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, bravo! Et toi, Tatiana, t'as l'air douée pour le jonglage. Tu nous montreras? Oui, enfin, honnêtement, je me sens pas prête du tout pour mon numéro de ce soir. Devant toute notre famille, en plus. Tatiana est très douée. Elle jongle avec tout ce qu'elle trouve, boule de neige y compris. Le problème, c'est que je n'arrive toujours pas à jongler avec plus de 5 objets. C'est déjà énorme. Bon, je sais pas jongler, mais je pourrais t'aider à t'entraîner si tu veux. Bien sûr, tu peux compter sur Mouk. C'est le roi du jonglage.
D'accord, tu m'aides et moi je t'apprends à jongler avec 3 balles. Justement, il est temps de faire une pause pour déjeuner. Je connais un super endroit où s'arrêter. Ouais, manger, c'est ce que je préfère. Yeah. Tu te débrouilles pas mal. Bon, je réessayerai un peu plus tard. Mais c'est surtout toi qui dois t'entraîner, Tatiana. Ça sent bon. C'est quoi, Boris? De la potée au chou, avec du lard, des pommes de terre, des carottes. De quoi faire des tas de pirouettes et affronter le froid avec énergie. Je suis gelée, moi. Tu sais, je me demande si j'y arriverai un jour. Mais oui, bien sûr que tu y arriveras. Vas-y, envoie-moi la 6e. J'y arriverai jamais. Merci, Boris. Tu sais, ça va pas. Jongler, ça réchauffe bien aussi. Je dis ça au cas où tu voudrais apprendre à jongler aussi bien que Mook. Jongler? Parce que t'appelles ça jongler, toi. Moi, j'appelle ça faire le clown. Nous arrivons bientôt. La datcha est derrière cette colline. Une datcha, c'est quoi? C'est une maison de campagne. J'ai le trac pour le spectacle de ce soir. Au moins, moi, j'ai pas le trac, puisque je fais pas de numéro. Pourquoi? Tu devrais. Je suis sûre que tu as des qualités pour faire du cirque, comme tout le monde. Oui, mais bien caché, alors. Très drôle. Voilà, on est arrivé. Babouchka, on est là. Oh, mes petits, vous êtes arrivés. Babouchka, je te présente nos invités, Chavapa et Mook. Bonjour, madame. Bonjour, Mook. Bonjour, Chavapa. Allez, entrez vous réchauffer, les enfants. Et puis après, vous nous montrerez ce que vous avez appris de nouveau. Les voisins et les amis ont hâte de vous voir eux aussi. Oh là là, j'ai le trac. T'inquiète pas, t'es prête. Alors que moi... Mais tu vas y arriver, c'est qui le roi du jonglage? Bravo les garçons. La piste est magnifique. Mais où ça va pas? C'est l'heure de notre spectacle. T'inquiète pas, Tatiana. Il arrive, il prépare son numéro. Quoi? Ça va pas faire un numéro? Mesdames et messieurs, voici le premier numéro de notre spectacle. Tatiana, Boris et Kazachok. Tatiana et Mook. Maintenant, un tout jeune équilibriste, le clown Chavapa. Ta-da! Oh, oh! Bravo, bravo! Bah dis donc, vous avez fait fort. Oh là là, on doit vous laisser.
Bonnes vacances à la montagne, les amis! Oui, oui, on arrive! Bon, je vous dirai si Popo a fait le clown ou l'acrobate sur les pistes de ski.